Alors, la ville de Chambéry a choisi d'offrir deux masques par Chambérien. Donc là, on est à Cognin, à l'atelier de découpe, puisqu'on a commandé du tissu en grande quantité, 4 km de tissu, qu'à l'hôtel de ville, on découpe en morceaux d'1 m 80. Et ici, on les amène pour être découpés en carrés de 20 par 20. Et donc là, on est à l'atelier de cet atelier de découpe où les tissus arrivent, donc sortent de l'atelier comme ça, en carrés de 20 par 20, qui ensuite vont être confectionnés en masques par les couturières chambériennes, les professionnelles, chacune environ 5000 masques, et puis aussi par les 250 bénévoles qui se sont spontanément mobilisés pour fabriquer des masques pour les chambériens. Et donc, à partir de la semaine prochaine, il va y avoir des kits qui vont être distribués aux volontaires pour fabriquer les masques, pour que dès le 11 mai, on puisse distribuer, dans un premier temps, déjà 70 000 masques, et puis ensuite, pour arriver jusqu'à 120 000 masques, pour deux masques gratuits par chambérien. Donc nous, le tissu qui a été acheté par la mairie est amené ici plié, et nous, on va réaliser la découpe. C'est-à-dire qu'on va transformer le tissu qui était en pli en pièce finie. Et pour obtenir cette pièce finie, on utilise un emporte-pièce. On se met à l'endroit où on veut découper. On amène la presse. On découpe. Et là, je viens de découper 24 épaisseurs de tissu en une seule pression. Ce qui va permettre d'alimenter les quantités à faire. Et là, votre job habituellement, c'est de... On est fabricant d'emporte-pièces, on est fabricant d'outils de découpe. Là, vous avez des outils qui traînent autour. Nous, on est là pour fabriquer l'emporte-pièce. Et nos clients découpent. Mais on est à même de faire de la découpe avec les presses. En fait, on ne travaille pas du tout avec le particulier. On travaille qu'avec les entreprises. Donc là, on a différents outils de découpe. Mais par exemple, je peux fabriquer une forme de découpe. Là, j'ai réalisé une forme de découpe. Cette forme... Elle a des lames de rasoir qui viennent découper et des lames rondes qui viennent marquer un pli. Si je prends un carton que je viens presser dessus, j'obtiendrai la pièce découpée. Cette pièce découpée va me servir pour monter, fabriquer une boîte. Donc mes clients mettent l'outil sur leur presse et viennent découper avec. Et beaucoup de clients sur le bassin chambérien, les imprimeurs, les cartonniers et les maroquiniers.